Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Fréquence Médiévale, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âges. Et cette fois, nous allons partir dans une époque qu'on n'a quasiment pas explorée depuis le début. On a fait plus de 100 émissions. Et on n'a toujours pas parlé des Carolingiens, donc c'était un peu honteux. Il fallait quand même qu'on le fasse, voilà, donc c'est quand même important. Et donc, on est allé voir, comme d'habitude, une spécialiste en fait de la question pour parler donc de cette famille et de cette dynastie qui a voilà, changé le visage du Moyen-Âge. Et donc, on est reçu dans son bureau à la Sorbonne, au LAMOP, par Geneviève Burer-Thierry, qui est donc professeure d'université à Paris, et qui est aussi la directrice du LAMOP, aussi, voilà, donc, du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Voilà, donc grand labo d'histoire médiévale. Et donc, bonjour. Bonjour William. Alors donc, voilà, les Carolingiens, alors on a fait des émissions, notamment avec Bruno Dumézil, sur les Mérovingiens. Et en fait, on va dire souvent, et ça c'est quelque chose qui vient de l'historiographie un peu classique, hein, notamment ce qui est enseigné à l'école, on a l'impression que les derniers Mérovingiens, c'était le chaos le plus absolu. Et puis les Carolingiens, c'est l'ordre, voilà, l'ordre, voilà. Donc. Et en fait, voilà, moi j'aimerais un peu qu'on revienne un peu sur cette image, parce que je pense que ce n'est pas complètement vrai, en fait, voilà. Déjà, voilà, et puis un peu expliquer d'où viennent ces gens, ces Carolingiens. Alors ce que vous dites là est très intéressant parce que ce qu'on voit dans l'historiographie, à l'œuvre dans l'historiographie, c'est précisément ce que voulaient les Carolingiens. C'est-à-dire c'est un effet de la propagande carolingienne qui, à travers un certain nombre d'ouvrages, a commencé par la très célèbre vie de Charlemagne par Eginhard, qui est donc écrite au début du IXe siècle, on va dire dans les années 820, dresse un portrait des derniers, du dernier siècle, disons des derniers 50 ans des Mérovingiens, totalement apocalyptique et qui a fabriqué en fait l'image des rois fainéants, même plus capables de monter à cheval, allant à l'assemblée sur un char à bœuf, totalement dégénéré. Ça, c'est la propagande carolingienne qui a été reprise quasiment telle quelle. Alors, déjà dès la fin du Moyen-Âge, à travers par exemple les grandes chroniques de France, on voit des choses comme ça. Et puis par la suite, alors à plus forte raison, bien sûr, hein, dans l'historiographie du XIXe siècle et dans la Lavis, qui est l'ouvrage de référence dans lequel on apprenait aux enfants l'histoire de France. Et jusqu'à récemment, enfin moi je suis plus si jeune, mais j'ai encore appris à l'école primaire, je me souviens encore de mon livre à l'école primaire avec le livre d'histoire avec la double page, avec une page illustrée, avec des dessins à la plume et à l'aquarelle, et une page de texte, et je me souviens parfaitement hein, de cette image des derniers Mérovingiens dans leur char à bœuf, là, les rois fainéants. Tout ça, c'est quand même largement de la propagande carolingienne. Et bon, les Carolingiens ont pris le pouvoir en évinçant les Mérovingiens, en organisant une sorte de coup d'État, si on peut dire, hein, mais qui, dont la mise en œuvre dure en gros 50 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas le putsch. Voilà. C'est sur plusieurs générations, en fait. C'est sur plusieurs générations, il y a des hauts et des bas, mais ce qui est certain, c'est que les Carolingiens, qui à l'origine étaient les maires du palais, c'est-à-dire les responsables de l'organisation matérielle du palais du roi, qui est le lieu du pouvoir et du gouvernement, ont progressivement, pour des tas de raisons compliquées, hein, évincé ces Mérovingiens, dont beaucoup à la fin étaient en fait des enfants. Hein, c'était des systèmes de régence, si on peut dire, puisque la régence n'était pas institutionnalisée, dans laquelle les maires du palais avaient en fait le pouvoir, et pour finir, ils ont pris le pouvoir, voilà, à la place du roi. Alors, ces Mérovingiens, ils venaient d'une région quand même particulière, dans ce qu'on appelle l'Austrasie, en fait. Hein, donc, les Carolingiens, oui. Excusez-moi. C'est pas grave. Les Carolingiens, oui, ils venaient d'Austrasie. C'est une grande famille qu'on connaît, qui émerge dans la documentation véritablement au début du 7e siècle, dans la région de Metz, de Thionville, et puis un peu plus au nord aussi par alliance à la génération suivante. Hein, on les voit se développer en fait le long de la vallée de la Moselle. Et puis bon, de la vallée de la Meuse, etc., un peu plus au nord, un peu en aval de tous ces fleuves, des gens qui sont à la fois des grands propriétaires fonciers, des grands chefs de guerre,
des fondateurs de monastères, une partie d'entre eux qui tiennent des sièges épiscopaux, dont un qui est considéré, Saint Arnoux de Metz, comme un saint personnage, une sorte de saint de la dynastie. Voilà, et donc ils tiennent en réalité tous les éléments qui permettent de construire un pouvoir efficace, efficient, au 8e, 9e siècle. Parce que même la sainteté, en fait, en l'occurrence, même si ce n'est pas la sainteté, comme elle n'est pas formée comme au 12e, 13e siècle et tout, cette sainteté-là, elle est importante aussi, parce que ça permet justement d'avoir un personnage voilà, important dans la famille, dont on peut se référer comme étant voilà, un personnage qui a une espèce d'aura sacrée, en fait. Bien sûr, la dimension de sacralité qui a d'ailleurs été très développée par les Carolingiens, puisque c'est eux aussi qui ont inventé le sacre royal, hein, d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, les Mérovingiens ne sont pas des rois sacrés, alors que en 751 et surtout en 754, l'aboutissement du coup d'État de Pépin le Bref, c'est le moment où il arrive à obtenir du pape quand même, qui pour la première fois met les pieds en Gaule. Hein, jamais le pape n'était venu aussi au nord, à Saint-Denis. Et Pépin arrive à obtenir du pape non seulement qu'il le sacre roi, mais qu'il sacre aussi sa femme et ses enfants, c'est-à-dire qu'il consacre la dynastie. Ça, c'est évidemment très important, tout autant que les personnages saints qui peuvent être reconnus dans la famille. Alors, on parle de Saint Arnoux de Metz, hein, donc, qui est mort dans les années 640, donc ça, c'est vraiment un grand ancêtre. Il faut penser aussi aux femmes de cette famille, dont beaucoup ont été abbesses de grands monastères, particulièrement l'abbesse Gertrude de Nivelles, qui est considérée elle aussi comme une sainte femme, et qui a joué un rôle politique très important dans la construction du pouvoir de cette famille. Ça, on y reviendra dans une prochaine émission, mais alors justement, comment on arrive à ça? Parce que, en fin de compte, ce que vous dites, c'est que le sacre, c'est aussi un objet de légitimité, en fait. C'est un pouvoir qui avait très peu de légitimité, en l'occurrence, qui était contesté, hein, fortement. Et ce sacre est inventé quelque part pour légitimer cette famille, en fait. Comment on arrive là, en fait, donc Pépin le Bref, hein, de manière résumée, parce qu'en effet, c'est très long, ça prend 50 ans. Hein, mais voilà, parce qu'en fin de compte, ces gens-là sont. Même après, bon, moi je connais un tout petit peu le cas de Charles Martel, hein, et même des siècles après, on va encore dire c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui a usurpé le pouvoir. Donc il y a quand même, c'est un pouvoir qui est très contesté, les Carolingiens, en fin de compte. Alors au départ, il est très contesté pour une raison assez facile à comprendre, qui est que tant qu'ils sont maires du palais, Charles Martel, par exemple, qui, alors lui, pour le coup, est un pouvoir extrêmement contesté, qui a dû sévir contre un nombre de révoltes incroyables dans tout le royaume franc. Charles Martel, il avait la main lourde, on le sait, hein, c'est le marteau qui tapait sur ses ennemis, et pas que sur les Sarrasins, mais aussi sur les autres, très largement. Charles Martel, il était dans une position de pouvoir où il était en quelque sorte le représentant du roi. C'est-à-dire qu'il agissait en tant que... Il avait délégation de la puissance royale. Alors, la puissance royale n'existait plus. Il y a eu un moment où il n'y avait même plus de roi du tout. Il n'y avait même pas besoin d'une sorte de marionnette. Il avait carrément plus de roi, il n'y avait plus que lui. Mais néanmoins, être maire du palais, c'est bien agir par délégation de la puissance royale. À partir de là, les autres grands personnages, les grandes familles de l'aristocratie de l'ensemble du royaume des Francs, le duc des Aquitains, le duc des Bavarois, le patrice de Provence, etc., que disent-ils à Charles Martel? Ils disent, mais nous aussi on agit par délégation de la puissance royale. Si on est sur un pied d'égalité avec toi, pourquoi on va t'obéir? Il n'y a aucune raison de lui obéir. Institutionnellement, c'est parfaitement logique. Donc, évidemment, pour construire un pouvoir pérenne et qui soit moins contesté, même si il y a de la contestation tout le temps, il y a des révoltes permanentes sous les Carolingiens aussi, eh ben, il faut trouver un moyen de se hausser au-dessus de ce niveau des grandes familles qu'on appellerait princières pour simplifier. Et le sacre, c'est évidemment un moyen de légitimer un pouvoir, alors là, pour le coup, qui est d'une autre nature. Et comment on arrive justement avec cette alliance avec le pape et tout? Il y a un deal en fait qui est fait en l'occurrence. Hein. Les Carolingiens passent un accord avec le pape en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le pape a besoin des Carolingiens, enfin il a besoin d'un chef de guerre qui mette un peu d'ordre en Italie et surtout qui le protège contre les Lombards, qui cherchent à mettre la main sur Rome. Ce qu'il faut voir, c'est que le pape, traditionnellement, normalement, il est en quelque sorte un représentant de l'empereur qui est à Byzance. Rome, toute l'Italie du Sud,
c'est une région, mais aussi la région de Venise, ce sont des régions qui théoriquement appartiennent toujours à l'Empire byzantin et qui sont administrées d'une part par un chef militaire qu'on appelle l'exarque et puis d'autre part par le pape qui a une sorte de, lui aussi de délégation de pouvoir de la part de l'empereur pour gouverner la ville de Rome. Le problème, c'est que, arrivé au 8e siècle, l'empereur il n'est plus en capacité de défendre quoi que ce soit. Et donc le pape se retrouve un peu tout seul face aux Lombards qui veulent, qui occupent le nord et le sud de l'Italie et qui veulent bah, manger le milieu pour, en quelque sorte, bah, créer une sorte d'unité, enfin, disons une continuité territoriale, pour simplifier. Donc le pape, déjà à l'époque de Charles Martel, a appelé les Francs au secours. Et Charles a dit, oui, Saint-Père, c'est très bien, mais j'ai autre chose à faire, donc il n'y est pas allé. Simplement, son fils, Pépin le Bref, lui, il va comprendre que, enfin, il va avoir les moyens aussi de le faire, hein, comprendre que c'est un très très grand intérêt hein, de promettre au pape d'intervenir dans les affaires italiennes et de garantir la sécurité de Rome, et évidemment, en échange de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le sacre. Que le pape, qui est réfugié hein, chez les Francs parce que la ville de Rome est assiégée, donc il arrive à, on arrive à l'exfiltrer de Rome, c'est un grand voyage, il passe les Alpes, etc. Et il est réfugié donc à la cour de Pépin, qui a déjà été reconnu comme roi par une partie des grands laïcs et ecclésiastiques. Alors il y a toute une discussion pour savoir si Pépin a été sacré deux fois ou une seule fois. C'est-à-dire Pépin, il a pris le pouvoir en 751. Et ce qu'on lit, mais là aussi c'est la propagande carolingienne dans les annales, c'est que déjà le pape avait donné l'ordre qu'on le fasse roi, pour remettre de l'ordre dans le royaume, qui prétendument était en désordre, et que les évêques auraient procédé, les évêques qui étaient là au moment de l'élection de Pépin comme roi, avec des grands laïcs, auraient procédé à son sacre. Il est de plus en plus évident pour un grand nombre de spécialistes de cette période que cette histoire est en grande partie une manipulation des Carolingiens eux-mêmes, de l'historiographie carolingienne, et que c'est vrai que Pépin a été élu par des grands laïcs et ecclésiastiques, que probablement les évêques ont béni Pépin comme ils le faisaient déjà des Mérovingiens, c'est-à-dire dans des formes, on va dire, traditionnelles, qui pour le coup n'étaient pas révolutionnaires au sens où on peut l'entendre. Et puis que derrière ça, parce qu'il y avait déjà beaucoup de liens hein, entre les Carolingiens ou les Pipinides et le pape, ce qui est le moment important, c'est 3 ans plus tard, en janvier 754, lorsque le pape, à Saint-Denis, sacre Pépin et toute sa famille. Petite question très rapide, pourquoi Saint-Denis ? Ça, c'est... Pépin, il a été, très probablement, on n'en a pas la preuve absolue, il a été élevé à Saint-Denis. C'est-à-dire que Charles Martel a confié l'éducation de ses jeunes fils, Pépin et son frère Carloman, à des grands monastères. Pépin a été élevé à Saint-Denis, son frère a certainement, probablement, été élevé à Echternach, c'est-à-dire dans l'actuel duché de Luxembourg. Donc là, on est au cœur de la puissance pipinide. Mais justement, parce que Saint-Denis, c'est pas du tout dans le cœur le pipinide, en fait. Hein. C'est pas du tout dans la... Les pipinides, je précise, hein, pour les auditeurs et les auditrices, hein, c'est l'autre nom de la famille des Carolingiens, voilà, pour simplifier. Donc, Bah, disons que les pipinides, c'est tant qu'ils sont pas rois. Tant qu'ils sont pas rois, on dit les pipinides. Une fois qu'ils sont rois, on dit les Carolingiens. C'est-à-dire, les Carolingiens, c'est la dynastie. Bon, mais c'est les mêmes. Non, c'est pas du tout le cœur de la puissance. En revanche, c'est le cœur de la puissance royale, mérovingienne. C'est-à-dire que les Mérovingiens, ce sont... Alors, c'est une royauté qui est polycentrique. Il y a plusieurs pôles, mais un pôle très important, c'est Paris et l'île de France. Surtout depuis le début du 7e siècle, où Clotaire II, à la suite d'une énorme guerre civile qui a duré 30 ans et où il y a une dizaine de rois qui se sont entretués, le vainqueur de la bataille étant Clotaire II, s'est installé à Paris, de même que son fils Dagobert, le célèbre roi Dagobert, hein, qui a installé là sa cour et surtout qui a refondé Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une refondation, on pense que le lieu... en tant que lieu sacré, vénéré comme tombe de Saint-Denis, etc., existe au moins depuis le 5e siècle. Ça, on a quelques attestations, par exemple, dans la ville de Sainte-Geneviève. Mais ce qui est sûr, c'est que l'endroit avait pas mal périclité, et c'est Dagobert qui l'a refondé comme monastère royal. Donc là, on est au cœur de la puissance royale, franque, mérovingienne et carolingienne, qui prend sa suite. Alors, donc,
on revient donc à ce sacre, donc voilà, ce deal qui est passé avec la papauté. Et puis après, donc on a le règne de Pépin le Bref, qui est un règne aussi qui est un peu houleux aussi comme règne. Hein, je veux dire, c'est voilà, un garçon qui a dû s'imposer aussi sur pas mal de fronts. Et puis donc arrive Charlemagne. Mais Charlemagne, c'est pareil, la passation de pouvoir, elle n'est pas si évidente que ça. C'est à plein de côtes assez compliqué aussi, déjà, la passation de pouvoir entre Pépin et Charlemagne, parce qu'il y a une séparation déjà du royaume, en fait, entre les fils. Déjà. Alors c'est sûr que une des grandes fragilités du système France, c'est de redécouper le royaume à chaque succession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout dans le haut Moyen-Âge, que ce soit d'ailleurs pour les rois ou pour n'importe quelle famille de paysans, c'est la même chose. Il n'y a pas d'idée de le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui va s'instaurer dans l'aristocratie française et dans la paysannerie d'ailleurs, beaucoup plus tard. Donc, ce qu'on fait, ce que font les rois francs, c'est appliquer la loi franque qui dit tous les fils d'un homme libre, doivent succéder à leur père à égalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire à égalité ? Comment on découpe un royaume à égalité ? Bon, tous les historiens qui ont regardé ça savent très bien que, en réalité, déjà, il n'y a pas d'égalité. On partage, mais il y a toujours des fils qui sont avantagés par rapport à d'autres. Ce qui, évidemment, suscite des problèmes, parce que ceux qui s'estiment désavantagés prennent souvent les armes contre leurs frères pour réclamer davantage. La succession de Pépin, on ne peut pas dire qu'elle se soit mal passée au sens où il n'avait que deux fils. Alors Pépin le Bref, il faut quand même dire que c'est un des rares Carolingiens qui a eu une seule femme. Une seule femme légitime et pas de concubine connue. Ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, il avait deux fils, quand il est mort, il avait deux fils vivants, parce qu'il faut considérer aussi la mortalité infantile, hein, qui fait que souvent, il ne reste pas beaucoup à la fin. Ces deux fils vivants ne s'entendaient pas du tout. Ils ne s'entendaient pas du tout. Le royaume a été partagé entre deux, et par chance, si j'ose dire, pour Charlemagne, celui qui va devenir Charlemagne, son frère est mort assez rapidement. On ne sait pas très bien de quoi, de maladie. Il ne semble pas qu'il y ait eu de manipulation particulière. Et donc Charles s'est retrouvé assez facilement, d'une certaine manière, à la tête de l'ensemble du royaume que Pépin avait constitué. Alors après, Charlemagne, il y a quand même eu des contestations, notamment, si je me souviens bien, avec l'Aquitaine, en fait. Il y a eu des conflits aussi internes au royaume, hein, parce qu'en fait, on a l'impression d'un royaume, en fait, après Pépin, assez unifié, mais il y a quand même des contestations internes qui sont assez fortes. L'Aquitaine, c'est un monde, c'est-à-dire que l'Aquitaine, elle n'est jamais complètement soumise aux Francs. Elle a été conquise par Clovis, au début du 6e siècle, à la fin du 5e, début du 6e siècle. Et en réalité, elle a toujours constitué un monde à part, un royaume à part, une aristocratie à part. Alors, bien sûr, il y a des mélanges, il y a des aristocrates francs qui sont installés là. Mais c'est une longue histoire et c'est une longue histoire de recherche aussi du maximum d'autonomie et d'indépendance de la part de ces grands Aquitains. À l'époque de Charles Martel, ils ont essayé de constituer une sorte de royaume, enfin une principauté vraiment quasi indépendante. Avec Eudes. Et d'ailleurs, l'histoire de Poitiers, que vous connaissez mieux que moi, est une histoire liée véritablement à ça, puisque Charles Martel et ses francs ont fait barrage aux Sarrasins qui voulaient piller l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Et quand ils sont partis, ils ont pillé l'Aquitaine pendant des mois et des mois sans que Charles Martel lève le petit doigt, ça n'intéressait pas du tout. Et il a dit à Eudes, eh ben, puisque tu es si fort, débrouille-toi tout seul. Donc ça, c'est une partie de l'histoire. Alors ce qui est clair, c'est que déjà sous Charles Martel, mais surtout sous Pépin le Bref, il y a eu un nombre de guerres en Aquitaine menées par les Francs pour soumettre les Aquitains terribles. Pendant 20 ans, les Francs de Pépin ont lutté contre les Aquitains tous les ans. Bon, je rappelle qu'en principe, on ne fait pas la guerre en hiver. Dans le Moyen-Âge, on fait la guerre qu'en été, quand il y a de l'herbe pour les chevaux. En réalité, c'est ça, l'histoire. On sait que les Francs sont partis en campagne en Aquitaine pendant presque 20 ans, tous les ans, au point, disent les annales, celles-là qui ne sont pas des constructions carolingiennes, que... aucun paysan n'osait plus planter une vigne parce que les Francs venaient là et ravageaient tout et brûlaient tout systématiquement pour soumettre le pays, qui a fini par se soumettre parce que voilà.
Charlemagne, lui, il va avoir une histoire à peu près similaire avec Charlemagne, mais du côté des Saxons, en fait. Hein. Là, c'est peut-être une des grandes affaires du règne de Charlemagne, c'est la guerre contre les Saxons, en fait, où là, c'est une dureté absolument phénoménale, y compris, si je me souviens bien, dans les annales carolingiennes, en fait, on montre qu'il y a des massacres, en fait, mais ouverts, c'est même assumé, en fait. Hein, et en plus, il y a un aspect qui est religieux, puisque les Saxons sont païens, en fait, c'est assez nouveau aussi, cette espèce d'imagerie de guerrier chrétien et tout, qui n'existait pas vraiment avant, en fait. Hein. Ça fait un peu partie des nouveautés du règne de Charlemagne. Alors, de fait, la grande différence entre les Aquitains et les Saxons, c'est que les Aquitains, ils sont chrétiens depuis bien avant les Francs, c'est-à-dire depuis les Romains, alors que les Saxons, ils représentent le monde païen qui est aux portes du monde franc. Ils n'ont pas accepté la christianisation. Ils ont éliminé quelques missionnaires qui venaient porter la bonne parole. Déjà au 7e siècle, on avait des missionnaires anglo-saxons qui essayaient d'évangéliser les Saxes, ça ne marchait pas terrible. Parce qu'en réalité, l'évangélisation, pour que ça marche, il faut que ce soit appuyé sur une puissance politique et, si j'ose dire, même militaire. C'est pour ça que déjà Charles Martel, déjà le père de Charles Martel, qu'on appelle Pépin II, Pépin de Herstal, avait accordé son soutien à tout un tas de missionnaires anglo-saxons qui étaient venus évangéliser la Frise, la Thuringe, la Saxe, enfin bon voilà. Charles Martel a continué à les soutenir, en particulier Saint Boniface qui est considéré comme le grand apôtre de la Germanie. Boniface, il est venu d'Angleterre avec l'idée d'évangéliser les Saxons. Lui-même se reconnaissait comme saxon, ce qu'il dit dans ses lettres. Ce qui est extraordinaire avec Boniface, c'est qu'on a des textes qui émanent de lui-même. Il dit « Je suis venu pour sortir mes frères saxons des ténèbres de la mort. » Parce qu'il venait des saxons, mais anglais, enfin, qui était capitaine d'Angleterre. Il venait des anglo-saxons, voilà. Lesquels saxons avaient envahi l'Angleterre au 5e siècle. Bon. La vérité, c'est que Boniface, il n'est jamais allé en Saxe. Il est resté dans le centre de la Germanie. Il a créé un grand monastère, Fulda, qui était conçu comme une sorte de centre de formation pour les missionnaires pour aller en Saxe. Et c'est vrai qu'il est mort martyr, mais pas du tout en Saxe, mais en Frise. Ouais. Hein? Donc là, quand on arrive... Bon, à l'époque de Boniface, Boniface, il est mort en 754. C'est facile de se souvenir, c'est l'année du sacre de Pépin. À partir de là, on va entrer dans une autre logique. Charlemagne va entrer dans une autre logique vis-à-vis des Saxons, qui est que... prétendument pour protéger les possessions chrétiennes, la frontière, disons, hein, les possessions chrétiennes du monde franc, il faut absolument soumettre ces Saxons. Et les soumettre, ça veut dire les évangéliser, ça veut dire les obliger à accepter le baptême, à prêter serment au roi. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que devenir chrétien et obéir au roi, c'est la même chose. Et ça, c'est cette espèce de nouveauté, parce que, bon, après, évidemment, il y a le sacre de Charlemagne comme empereur, en fait, hein, je peux même parler de sacre, en fait, mais est-ce que ça rentre un peu dans cette... Parce que, voilà, quand même, il y a chez les Carolingiens, à la différence des Mérovingiens, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... comment dire, de socle idéologique ou de programme en fait idéologique avec l'idée de chrétienté comme ciment de la société, l'empereur à la tête, voilà. Comment apparaît cette espèce de programme idéologique qui est assez fort chez les Carolingiens et qu'on retrouve encore plus après, donc chez les successeurs de Charlemagne, c'est assez nouveau en fait, parce qu'on passe quand même en espace de 50 ans d'une famille qui s'impose comme les rois du Regnum Francorum, du Royaume des Francs, à quelqu'un qui a une prétention impériale, et c'est pas rien, une prétention impériale qui limite, conteste le pouvoir de l'empereur d'Orient, en fait, l'empereur de Byzance. Donc comment on passe cette espèce de schéma-là, en fait? Ah, il faut voir que là aussi, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Charlemagne, il est devenu empereur très tard dans sa vie. Voilà, il a pris le pouvoir en 768 à la mort de son père et il a guerroyé pendant 30 ans. Je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de projet au départ, ni de devenir empereur, ni de faire la conquête de la moitié de l'Europe. Non. C'est un, je ne dirais pas que c'est des concours de circonstances, c'est un enchaînement de choses qui l'amènent
à faire la conquête du royaume des Lombards, là toujours pour protéger le pape, absorber entièrement le duché des Bavarois qui lui pose problème, à créer un royaume pour son fils en Aquitaine, et puis et surtout, comme vous l'avez dit, à combattre les Saxons, et de ce point de vue, à se présenter comme celui qui porte la parole du Christ au-delà des frontières, hein, ce qui est un élément très important. Alors, quand même, évidemment, il y a une préparation idéologique au couronnement impérial, ça c'est indéniable, dès les années 790, peut-être même la fin des années 780. On le voit d'ailleurs dans la construction d'Aix-la-Chapelle, qui commence au début des années 790. Et donc ça va quand même, c'est un chantier qui va très très vite. Hein, quand on pense que, bon, en 800, tout n'est pas construit, mais enfin, Aix-la-Chapelle est quand même là, Charlemagne est mort là. On n'a pas les moyens d'aujourd'hui pour construire, mais néanmoins, c'est quelque chose qui marche bien. Ceux qui sont derrière cette idéologie, c'est en grande partie les anglo-saxons, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est-à-dire les intellectuels anglo-saxons, à commencer par un dénommé Alcuin, que le grand public connaît très peu et qui est un personnage essentiel de l'histoire carolingienne. Donc cet Alcuin, c'était Nicolas, c'est le responsable de l'école cathédrale de York. Charlemagne l'a rencontré en Italie, où Alcuin était venu pour récupérer l'insigne archiépiscopal que le pape doit donner aux archevêques. Mmh. Donc il était venu là, en mission, envoyé en mission par son archevêque pour récupérer le pallium. Charles l'a rencontré à Pise. Ils ont beaucoup discuté. Et Charles lui a proposé de rester à la cour des Francs, de retourner porter le pallium et de revenir chez lui. Et Alcuin a accepté ça. Et il est devenu... d'abord le plus grand intellectuel, je pense, qui était présent à la cour de Charlemagne, et surtout, il n'y avait pas que lui, et surtout quelqu'un qui était capable de construire une sorte de programme idéologique. Et on voit très bien dans les lettres, parce que Alcuin, c'est comme Boniface, c'est quelqu'un, les anglo-saxons écrivent beaucoup, c'est quelqu'un qui a laissé un certain nombre de lettres, et on voit très bien dans des lettres qu'il adresse à Charlemagne avant même le couronnement impérial, qu'il le considère déjà comme empereur potentiel. Donc on ne peut pas se dire là, il n'y a pas un projet, hein, bien sûr, il y a un projet politique. Et le projet politique d'Alcuin, qui est un ecclésiastique, comme tous les intellectuels de cette époque-là, c'est évidemment de refonder un empire qui permette d'étendre la parole de Dieu sur la surface de la terre. Hein. C'est le but affiché. Parce que, d'autant plus que voilà, l'empereur d'Orient est plus perçu comme étant capable de le faire, en fait, à cette époque-là. Il y a beaucoup de problèmes. Puis en plus, si on ne va pas s'entrer dans les détails, on est à une époque de crise iconoclaste. Voilà, donc c'est plutôt le foutoir en fait à Byzance. Hein, donc c'est... Il a beaucoup de problèmes et puis surtout, il n'a plus aucun impact en Occident. Il n'est plus présent du tout. Hein. Il a été assez tard, jusqu'à assez tard, jusqu'au 7e siècle probablement. Au-delà, il faut bien dire qu'on ne le voit pas beaucoup. Hein. Il y a la barre de la langue, les Grecs et tout, il y a tout ce qu'on dit là. Est-ce que ça, je sais pas, ça joue beaucoup, mais... Alors que ce soit des Grecs, en Italie, il y a encore plein de gens qui parlent grec. Il y a des communautés grecques très importantes. Donc des gens qui peuvent faire le lien, parce que d'une certaine manière, la barrière de la langue, vous savez, tout le monde ne parlait pas latin dans le monde franc, hein, par les ecclésiastiques. Je ne crois pas que ce soit tellement là le problème, mais enfin, il faut bien dire que l'empereur d'Orient, il est aux prises déjà avec l'avancée de la conquête musulmane au Moyen-Orient, plus, comme vous l'avez dit, la crise iconoclaste, tout ça c'est beaucoup. Les Bulgares aussi, c'est pas les Bulgares, bien sûr, hein, les Bulgares un peu plus tard, bon, tout ça, c'est pour lui, c'est très compliqué, et l'Occident, c'est, je pense, le cadet de ses soucis. Voilà. Donc, l'idée... on va dire romano-chrétienne, romaine au sens de l'empire romain-chrétien, que l'empereur doit être, comme disait Constantin, l'évêque du dehors, celui qui n'a pas la puissance épiscopale, mais qui doit agir comme le guide du troupeau, qui doit mener tout le monde au salut. Et pourquoi est-ce qu'il faut mener tout le monde au salut? Parce que tous ces chrétiens, ceux qui sont convaincus, ils attendent quand même le retour du Christ sur terre. Et le Christ, il ne peut revenir que le jour où toute la terre sera convertie au christianisme, ce qui nous laisse un petit moment. Mais pour eux, c'était un objectif quasi atteignable. Enfin, en tout cas, ils le pensaient comme ça.
Mais ce qui est assez fascinant, là on a un projet idéologique très fort, en plus là, on pourrait rentrer sur le détail de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, mais qui rentre en fait dans cette logique-là, en fait, hein, de fondation d'un empire chrétien, hein, avec la création notamment de centres de production intellectuelle, beaucoup de règlements. Charlemagne, c'est très réglementé en fait, la société carolingienne. En fait, hein, il essaye en tout cas, donc, avec un système de société extrêmement hiérarchisé, avec des comtes, des ducs. Qui est un peu différent de qui n'est pas encore la féodalité, hein, c'est pas la même chose, hein, mais quand même, il y a une société qui est assez hiérarchisée quand on lit les textes un peu normatifs de l'époque. Mais comment ça se fait, parce qu'on va être un peu obligé de finir, comment se fait-il que cette construction comme ça, en fin de compte, elle s'effondre en quelques décennies après la mort de Charlemagne, en fait, hein, on a l'image en fait, hein, de loin, donc Charlemagne meurt en 814, son fils Louis le Pieux prend la succession, puis en fait il y a des guerres de succession constantes, permanentes, jusqu'à la fin du 9e siècle. Hein, donc c'est une espèce de chute extrêmement rapide en fait. Hein, donc, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi on... C'est compliqué. Il y a plusieurs questions là dans votre question. Oui, je sais. Vous êtes simplifié, c'est la fin. Alors, d'abord, tout ne s'effondre pas. On a l'impression que ça s'effondre. C'est parce important que de le dire, oui. Il n'y a plus un empire unifié, mais tout ne s'effondre pas, loin de là. Vous parliez de la Renaissance carolingienne. Un des grands moments de la Renaissance carolingienne, c'est quand même le règne de Charles le Chauve, c'est-à-dire la deuxième moitié du IXe siècle. Voilà, donc tout ne s'effondre pas. Tout ne s'effondre pas, surtout dans la structure, dans les structures même que les Carolingiens ont mis en place. La superstructure impériale, celle-là, elle va disparaître, c'est vrai. Mais la structure qui est juste en dessous, elle ne va pas disparaître du tout, mais elle va même, au contraire, recroître et embellir. Parce que, d'une certaine manière, je ne dirais pas que c'est les Carolingiens qui ont inventé la féodalité. Structurer la société en disant, il y a là des représentants du roi qui ont délégation à la puissance royale. Vous allez leur obéir, vous allez leur prêter serment, vous êtes leurs hommes. Quand ils vous convoquent à l'armée, vous y allez. Quand même le début de ce qu'on voit se constituer ensuite. Alors bon, après, il y a d'autres paramètres, hein, mais de ce point de vue-là... Ensuite, sur la normativité, il faut quand même dire que les Carolingiens ont une volonté normative très grande. C'est vrai qu'ils font des règlements, de là à dire que ces règlements sont, acceptés, appliqués, ça, c'est une autre histoire. Ouais, hein. Donc, il ne faut pas confondre la volonté de normativité avec ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi? Finalement, moi, je dirais que les Carolingiens, ils ont cherché, depuis le début, à essayer d'encadrer la puissance militaire et religieuse, si on pense aux évêques, des grands personnages, de manière à ce qu'ils ne doublent pas d'une certaine manière la puissance royale, comme eux-mêmes l'avaient fait avec les Mérovingiens. Ils étaient très bien placés pour savoir comment ça se passe. Hein. Voilà. Ils ont lutté par tous les moyens pour essayer, par exemple, que des grandes familles aristocratiques ne s'implantent pas durablement dans une région où elles constituent des racines, des alliances, des réseaux qui pourraient se retourner contre le roi. Ils ont, de ce point de vue, absolument échoué. Ça, c'est clair. Donc, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. On pourra pas rentrer dans les détails. Dernier petit truc, mais très rapide. On a parlé un petit peu au début sur l'historiographie, la mémoire qui est associée aux Carolingiens. On a parlé avec justement cette image qui était développée dans l'école, en fait, hein, dans l'école républicaine. Mais ce qui est assez amusant avec Charlemagne, c'est que, notamment avec Charlemagne, mais pas que, avec les Carolingiens, c'est que ce sont des personnages vu que l'Empire carolingien est à cheval sur plusieurs frontières, c'est des personnages qui, au 19e siècle, au 20e siècle, ont été tirés en fait, hein, de tous les côtés de la frontière. Ça a même été un enjeu en fait, entre la France et l'Allemagne au 19e siècle, hein, pour savoir est-ce que Charlemagne était français ou allemand. En fait, ni l'un ni l'autre, mais bon, à l'époque, il y avait vraiment des débats pour savoir s'il était... Il y a même eu carrément presque une lutte de prestige pour éditer les sources carolingiennes, hein. Ça, on peut en parler parce que c'est assez amusant en fait avec les Monumenta Germania, Germania Soriae en fait, hein, donc ça, il faut juste en parler parce que c'est assez amusant quand même.
Alors oui, au XIXe siècle, dans le cadre justement de la constitution de la nation allemande, hein, mmh. disons ça comme ça, il y a une revendication de la part des Allemands de Charlemagne, comme enfin, des Carolingiens, comme leurs grands ancêtres, mais aussi d'ailleurs des Francs de manière générale, c'est-à-dire que les monumenta dont vous parlez, donc une institution fondée par les Prussiens à l'origine, qui existe encore, qui existe toujours, mais qui maintenant est à Munich et n'a plus rien à voir avec les Prussiens, qui des grands érudits hein, dès cette époque-là, se sont mis à éditer tout ce qu'ils considéraient comme les racines germaniques. Donc tout ce qui était franc était germanique. Ils ont donc édité tous les actes et toutes les sources du monde que nous appelons mérovingien, mais qu'eux appellent francs. Et puis les Carolingiens, jusque à Louis le Pieux, et de Louis le Pieux en passant par la branche germanique, c'est-à-dire Louis le Germanique et ses enfants. Ils ont en revanche complètement laissé de côté, évidemment, Charles le Chauve, qui est considéré comme le premier roi de France, avec le partage de Verdun. Il y a bien sûr une sorte de lutte voilà, de mémorielle hein, pour savoir qui des Français ou des Allemands peut revendiquer la personne de Charlemagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Charlemagne est considéré, à tort sans doute, comme le père de l'Europe. Oui, parce que là c'est un truc nouveau en fait. Hein, donc voilà, maintenant Charlemagne c'est devenu le père de l'Europe, alors qu'en fait voilà, c'était pas du tout son option à l'époque, hein, voilà, mais c'est extrêmement intéressant de voir que c'est une espèce de nouvelle vie, encore une fois, de ce personnage. Je crois qu'il y a même un prix Charlemagne. Il y en a plusieurs. Il y a un prix Charlemagne qui est un prix européen, absolument. Hein. On a célébré en grande pompe la 1200e anniversaire de sa mort en 2014 à Aix-la-Chapelle. Mmh. Il y a eu un énorme colloque franco-allemand auquel on a tous participé, voilà, qui, je vous le signale, peut se voir en ligne. Ah, ouais, très bien. Voilà, sur le site de l'Institut historique allemand de Paris. Il y a des heures et des heures et des heures de débats des plus grands spécialistes français, allemands, anglais. Donc, tout ce que vous voulez savoir sur Charlemagne est là-dedans. Et ben, c'est très bien, voilà, on reverra donc les auditeurs et les auditrices. Donc, ces heures et ces heures de débats pour en savoir et d'intervention pour en savoir plus. Merci Geneviève Berthéry d'avoir accepté donc notre invitation. Merci aussi à tous d'avoir écouté patiemment cette émission. Merci aussi à Exomène de l'avoir patiemment monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale.